Je croyais qu'il prenait des photos, mais en fait il filme. Nous allons visiter la médiathèque d'Ample-Noir, juste équipée des petites loupiottes de ce genre. Ne faites aucun souci, tout va bien se passer. Absolument. Voilà, on vient de réviser, c'est pour ça qu'on a un peu tardé le plan. Donc on l'a mémorisé centimètre carré par centimètre carré pour ce 30e anniversaire de la médiathèque. Je crois que pour continuer à exister, il va falloir nos deux corps mélangés. Il suffit que ce câble je connecte. Et regarde, oh, regarde j'ai fait... reviennent des insectes. Allez, c'est la fin de la pro. Avec des arbres luxuriants et remplis de fruits jaunes. Une rivière remplie de poissons scintillants. Flash, flash. Vous me paraissez pas heureuse. Vos lueurs dans l'infini noir ont des tendresses douloureuses. Êtes-vous toujours en prière? Êtes-vous des astres blessés? Car ce sont des pleurs de lumière. Non, des rayons que vous versez. Vous, les étoiles, les aïeules des créatures et des dieux, vous avez des pleurs dans les yeux. Comme des êtres imaginaires. Les sapins sombres des forêts vosgiennes m'ont inspiré plus d'une fois. J'ai aussi lu beaucoup de contes. Certains m'ont fait peur, d'autres m'ont rassuré. Et c'est ainsi qu'a commencé mon voyage dans les histoires et l'envie de les partager. C'est parti. Il est 15h. Et là, nous voici au Tibet. Et il est midi. Et si on se met plus par là, on va voir ce qui se passe au Vietnam et il est à peu près 13h. Il y a deux dragons. Oui, oui. Et je crois que c'est bien chez nous. Voilà. Bravo. L'enfant gesticulait étonnamment dans le ciel. Il vient aussitôt à sa rescousse. Allez, remue tes bras et fais danser tes pieds. Mais pas facile, réplique l'enfant en tremblant. C'est la première fois que je m'envole. Et je n'ai pas l'habitude d'aller aussi haut, moi. Le vent tourne soudain et devient de plus en plus puissant. Un énorme nuage s'approche. Accroche-toi bien à moi, dit l'oiseau. Et c'est vrai que moi je me souviens de l'ancienne bibliothèque Le Gouri. Bon, on ne va pas faire dans le passé, c'était il y a 30 ans et avant. Aujourd'hui, ben, on fête ce bel anniversaire pour ce bel instrument. Et l'agglomération de Montélimar dont fait partie cette médiathèque, et l'agglomération que je représente avec son... au nom de son président, on est très content de cette manifestation. Je voudrais remercier la directrice et toutes les petites mains de la médiathèque qui ont travaillé. Alors bien sûr pour ce splendide apéro, on m'a dit d'être court parce que les gamins ont soif par la suite. On me dépêche. Et les grands aussi d'ailleurs. Certainement. Voilà, donc je vous remercie tous de ce travail. Je remercie tous ceux qui ont participé au marathon et qui vont continuer jusqu'à tard dans la nuit et puis demain. Et puis rendez-vous dans 30 ans, si vous voulez bien. Et Alors, qui voudrait, qui est nombreux dans son équipe, qui est plus de 5? Bon, ici il y a des enfants. Bonsoir, on vient, violet, et vous l'artiste? La visole, d'accord, et l'artiste? Thank you.
falloir montrer l'oudé. L'oudé, c'est le doigt. Donc, quand on dira l'oudé, on montrera son doigt. Thank you.
Plein de surprises, des animations et bien sûr un gros gâteau. Les 19, 20 et 21 janvier. Joyeux anniversaire! Renseignez-vous! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! La médiathèque! La médiathèque. J'ai oublié les dates. Pardon. Les 19!